manager de la coopérative d'Exwere. Cette coopérative est située dans l'ensemble artisanal. Cet ensemble artisanal appartient au ministère de l'Artisanat. Et ce lieu-là, la salle d'exposition et l'atelier de formation est donné à notre coopérative par le ministère de l'Artisanat pour enseigner cet art. En même temps, nos coopérants, les bijoutiers de la ville, peuvent exposer leurs bijoux dans cette salle d'exposition. Et notre coopérative s'appelle Degsoere. Degsoere, c'est un style, le fameux style local typique de la ville de Sawera. Et c'est un style qui a été créé par les anciens maîtres juifs et berbères musulmans qui ont travaillé ici à Sawera pendant une grande période de temps. Ils ont donné ce fameux style qui est Degsoere. Et là, ici, le but de notre coopérative, c'est de préserver cette tradition à travers la formation et l'apprentissage. Okay? Alors là, on essaye de, chaque année, on essaye de former une dizaine de jeunes pour préserver cette tradition et pour garantir la continuité. On travaille d'Exwere qui est la filigrane, qui est la spécialité juive, et la gravure, la ciselure, qui est la spécialité musulmane. Ici, du technique, on les appelle judaïo-berbères. Aussi, on travaille d'autres styles. Okay? Mais le plus important dans cette coopérative, c'est qu'on travaille ensemble. Les bijoutiers peuvent aujourd'hui sont organisés dans un établissement pour travailler ensemble. On fait des meetings, on travaille ensemble, on essaye de... Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible pour une personne, tout seul, un bijoutier, de travailler tout seul. Alors, grâce au ministère de l'Artisanat qui essaye d'encourager à créer ce genre de coopérative, on est arrivé aujourd'hui à faire ce travail. I'm